Bonjour à tous et bienvenue pour l'ouverture de la case numéro 14 du calendrier de l'Avent, Lego City. Donc oui, bon, j'ai pas trop de choses à vous dire, voilà. Donc ça va aller assez rapidement, voilà. Donc je vais juste vous dire la déco, ce que j'ai mis. Donc bon, alors, je vous présente. Ok, le Goku est tombé. C'est Vegeta, voilà, tout simplement. Je l'ai rajouté. Hein. Le petit duo, enfin le duo, voilà quoi. C'est pas vraiment des duos, c'est plutôt un rival, mais bon. Vu que des fois ils se battent à deux quand il y a une menace ou un truc comme ça. Mais c'est surtout des rivaux. Hein. Enfin, depuis toujours, c'est des rivaux. Enfin, pas depuis toujours, mais bon, bref. Voilà quoi, vous avez compris. Bref. Donc voilà, on va ouvrir la case numéro 14, donc je vais vous la montrer. Donc la case numéro 14 se trouve juste là. Ok. Je vais vous montrer. Bon, Goku et Vegeta, ils tiennent pas beaucoup. Mais bon. Voilà, à côté de la lanterne et à côté de la case numéro 11. Ça passe très très vite. Hein. Ça passe vraiment très vite. Donc alors, je vais vous expliquer un petit truc assez important. Ça, bon, je vais le répéter dans une autre vidéo. Parce qu'à chaque fois que je dis un truc dans une case, je vais le répéter dans une autre. Et après, peut-être une troisième fois, si c'est très important. Bon, donc bien sûr, regardez, voilà le 2018, et là il y a le 2018. Maintenant je l'enlève. Je vais enlever aussi Goku et Vegeta. Oui, voilà. Malheureusement, mais il tombe. Pour le hibou. En fait, il n'y aura plus rien quand je l'ouvre. Donc c'est parti. Nous allons ouvrir cette petite case. Ok, tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Ah! Alors, je sais déjà peut-être ce que c'est. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a eu? Et regardez les trucs. C'est que regardez les trucs verts là. Ils sont un peu penchés. Donc je pense que c'est un sapin de Noël. Je pense que c'est un sapin de Noël. Et est-ce que j'ai raison? Pas du tout. C'est pas du tout un sapin de Noël. C'est des cadeaux. Mais des cadeaux vachement en avance. Hein. Parce que en fait. Ils nous donnent des cadeaux, mais je sais pas où les mettre. Parce que je sais pas où mettre le sapin encore. Bon, je vais remettre le paysage en propre. Voilà, c'est bon, c'est déjà mieux comme ça. A chaque fois, dans chaque ouverture, je fais ça. Je fais toujours une ellipse. Ah ouais, d'accord. Bon, là, ça tombe bien, j'ai ma gourde est en bas. Bon, je vais chercher ma gourde et on se retrouve à tout de suite. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, c'est parti, nous allons l'ouvrir. Voilà. Bon, ça, en fait, ça m'étonne qu'ils mettent des cadeaux avant de mettre le sapin. Et ce qui est problématique, c'est que je sais même pas où mettre le sapin. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de tapis où le mettre ni rien. Donc, j'en sais rien où le mettre, en fait. Je sais qu'on va le mettre à l'intérieur. Hein. Mais je sais pas où. Je sais pas du tout où le mettre. Hein. J'avais l'idée du stade de foot, là, entre guillemets, mais non. Enfin, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas un stade de foot, là, si. Donc voilà, donc je vais vous parler d'un truc assez important et qui va peut-être redémarrer la chaîne, et oui. Parce que les Lego, apparemment, il y en a qui disent que c'est pour les gamins. Ouais, génial. Non mais sérieux, Julien Legoman, il a au moins 18, une vingtaine d'années le mec. Et il fait une chaîne avec des Lego, donc je sais pas, il y a même des mecs, bon bref. C'est pas pour les gamins, ok les Lego, c'est pas... Sérieux quoi. Tous ceux qui disent ça, et c'est bon. Tous ceux qui disent ça, vous avez tort. Voilà. C'est pas pour les gamins, les gars. Par contre, on voit que dalle. Alors, je vous jure, vous voyez sombre. Et moi, il fait super clair dans ma chambre. Et puis, quand je dis ça, ça s'éclaire. Bon, je vais allumer la lumière. Alors, bizarrement, Punaise, c'est vachement. Allumer la lumière alors qu'il fait déjà jour. C'est un peu bizarre. Bah, après, je vous l'avoue, il fait un temps de merde. Désolé pour le gros mot, mais il fait un mauvais temps. Donc je vais vous parler d'un truc qui va peut-être remonter la chaîne, autre que les Lego, hein, parce qu'apparemment il y en a qui n'aiment pas. Enfin, ils l'ont pas dit en commentaire, hein. Mais attendez. Oh non, dites-moi pas qu'il fait ça. Oh non, il fallait mettre son Lego par-dessus. C'est pas grave, ça s'enlève très facilement. Donc oui, alors...
À Noël, bon, je vais pas vous dire tout ce que je vais avoir, hein. D'ailleurs, je vais faire un petit pan unboxing parce que ouvrir ses cadeaux de Noël sans sa famille, c'est un peu voilà quoi. Personne fait ça, enfin, je crois. Hein. Et genre, je vais quand même ouvrir mes cadeaux devant ma famille, quand même. Et vous imaginez quoi, hein, voilà quoi, c'est inimaginable. Du coup, oh, il est beau ce cadeau. D'ailleurs, hier, non, avant-hier, ouais, avant-hier, le show. Ouais, avant-hier, j'ai eu le chocolat que j'ai eu, c'était un cadeau. Si le chocolat d'aujourd'hui. Parce que oui, j'ai un deuxième calendrier, c'est un calendrier chocolat, mais je le filme pas. Ouais. Donc, ouais, ouais, je sais plus ce que je disais. Mais bon, bref. Noël, voilà, je ferai une présentation de tout ce que j'ai eu pour Noël. Enfin, presque, je pense. Ou sinon, tout, je sais rien. Mais à Noël, il y aura un petit cadeau. Enfin, un petit, voilà quoi. Un cadeau qui va se dé. Non. Non, j'allais dire démarquer des autres, mais j'en ai d'autres qui sont encore plus impressionnants. Oui, je. Voilà, c'est cool. J'aurai plein de trucs, mais ouais. Je vais pas faire du. Je vais pas faire le macho, genre machin, non. Mais dans ces cadeaux, il y aura un robot. Oui. Il s'appelle non pas Cosmo. Hein, je suis sûre. 50, ouais, 80%, même plus des gens pensaient que ça serait Cosmo, mais non, hein, voilà, pas Cosmo. Ça sera Boxer, le nouveau robot. Alors, je pense qu'à la pub, vous disiez, ouais, il est moins cool que Cosmo, machin. Mais les gars, j'ai regardé une vidéo où un mec présente Cosmo. Le lien sera dans la description. Donc, si vous voulez. Enfin, qui présente Boxer, pardon. Donc, le lien est dans la description. Et je vous jure, déjà, premièrement, il est plus mignon que Cosmo, de 1. Et de 2, il y a plus de jeux. En fait, il est plus mignon, il y a plus de jeux. Et voilà. Genre, il est mieux que Cosmo, je trouve. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos avec lui. Et oui, voilà. Et qui n'aime pas les robots, hein? Non, non. Non, mais là, dites-moi pas que les robots, c'est pour les gamins, hein, les gars, sérieux. Oh là là. Et en plus, il peut faire. Il y a un jeu, c'est genre il est en mode robot qui attaque, comme dans War Robots. Voilà le jeu que j'avais fait pour la vidéo de soutien, d'ailleurs qui est supprimé, bah, c'est normal. Donc voilà ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc ouais, je ferai beaucoup de vidéos sur le robot et sur les Lego, mais plus sur le robot, parce qu'il paraît que c'est des trucs. Enfin, je l'ai pas vu dans les commentaires, hein, mais il y en a beaucoup. Qui disent ça, donc par crainte qu'il y en a qui se désabonnent juste parce qu'ils disent oh c'est des gamins, bah au moins si vous vous désabonnez je comprends pas, parce que là vous avez Lego, le robot, c'est bon. Bref, mais vous inquiétez pas hein, quand même pour ceux qui regardent la vidéo et qui veulent que du gaming, vous inquiétez pas, le gaming ça va revenir très bientôt, après Noël ça va revenir, donc voilà. Oui, parce que je veux pas que vous désabonnez d'une chaîne que vous aimez juste parce qu'il peut plus faire son contenu, parce que après voilà quoi. Donc voilà ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc deux petits cadeaux et une petite chaussette de Noël. Enfin chaussure de Noël. Je vais le placer dans le décor. Donc, je vais passer. Ah oui, on a eu beaucoup de pièces de rechange. Hein. On a eu ça, on a eu ça, on a eu ça, ça et ça. Donc je vais le placer bien sûr dans le sachet hors caméra. Hein. Donc on va le passer dans le décor. Je sais pas du tout où le mettre. Je regardais. Dans un décor comme ça qui est blindé de gens. Qui est blindé. Où voulez-vous mettre le sapin? Ici? Ah ouais, j'avoue. Ici, ok. Bon, il sera bien planqué. Hein. Donc je pense que je vais mettre le sapin ici. C'est le seul endroit. Je pense potable. Hein, le seul endroit potable. Et la petite chaussette. Voilà, le sympa, il sera ici. Voilà, c'est cool. On va ouvrir les boosters maintenant. Donc, je vais remettre 2018, tout ça. Voilà, tac. Donc, on va ouvrir le booster. Le petit booster Lego. Tac. Et donc, voilà. Donc, c'est parti. On va espérer avoir beaucoup de chance. Et donc c'est parti!
Bertie. Alors bien sûr, attendez, je vais enlever le truc jaune parce que ça gâche tout le temps tout, ça spoil la brillante. Et donc c'est parti. La fille abeille. Et vous voyez rien. La fille abeille. Bon, attendez, juste, je vais faire le focus. Bon, c'est un peu plus propre, mais bon, ça change quasiment rien. Donc la fille abeille. Méduse. Tiens, tiens. Ah mince, bon. On nous a spoilé un truc. Ouais. Bref, Méduse, voilà, dédicace à ma prof de mythologie. Bon, je sais qu'elle va pas regarder ma vidéo, bon. Ni ma chaîne. Le joueur de saxophone et l'explorateur. Et maintenant. Le navire ancien! Ah ouais, ça a l'air trop cool! En plus, je peux le construire, ça. Et la navette spatiale! Trop bien! Donc, les deux brillantes qu'on a eues aujourd'hui, c'est. Les deux là. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé l'ouverture de la case numéro 14. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bon, cette ouverture de case, c'est pour l'instant, c'est la meilleure. J'ai adoré la faire. Hein. Voilà. Bon, bref. Ciao. Nini, 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 nini.